Bien salut les potos, c'est votre gars Genji, on se retrouve sur World War 2, nous allons jouer sur Shippen 44, tout simplement parce que voilà, il faut du kill assez vite, essayer de faire une bonne partie, et sur Shippen 44, je pense que pour faire des massacres, eh bah, c'est la map qu'il faut. Après voilà, il y a les réquisitions, il y a toutes ces saloperies d'atouts qui font que ça nique un peu tout, les bateaux aussi sur cette map, ça nique un peu tout, mais bon, c'est pas grave, je vais essayer, j'ai joué avec la M1 Garand Indépendante 2. Très joli, pour ceux qui jouent encore à World War 2, vous avez sûrement dû voir, c'est un défi, je crois qu'il fallait faire tant de victoires ou tant de trucs en tant de temps, et tu débloquais, bah, tu sais, on débloque sur des titres, des écussons, des trucs de merde là. Et là on a débloqué une nouvelle arme, enfin une nouvelle arme, une nouvelle variante d'arme, elle est très jolie avec le drapeau américain dessus, vraiment très très belle. Du coup je vais jouer avec, ça va changer un peu de World War 2, j'ai dit j'en faisais plus trop, mais en fait quand je joue plus, ça me manque un peu d'y jouer, du coup... On va essayer de faire une bonne partie. Là, il y a un mec. Je vais me faire éclater. Ce qui est bien avec cette arme, quand même, c'est que les gens, ils doivent tomber assez vite. Et là, j'ai eu un shoot déplorable. En deux balles, normalement, si tu joues bien, il tombe. Attention, je joue en blindé, heureusement. T'as trois balles pour le tuer, là. Ça fait beaucoup, quand même, non? Attendez, je vais tempo un petit peu. Ouais, c'est chaud. Hein. J'essaie d'assurer mes balles pour qu'elles soient. Ah! Pour qu'elles soient un maximum précises. Parce que c'est vrai que la précision, c'est ce qu'il va falloir avec la main garant. Ok, je viens de spawn le mec qui était devant moi. C'est pas très grave. Putain, j'ai un chat qui casse les couilles, les gars. Je vous... Coucou. Alors, lui, il est trop con. Hein. Tire son pote, mon gars, il y a un radar, il faut l'utiliser. Hein. Donnez-moi une arme secondaire quand même. Alors, je prends une arme secondaire, j'ai pas utilisé la batteuse. Ne vous en faites pas. J'ai juste pris en cas si j'ai plus de balles. C'est tout. Sinon, je vais bien jouer avec ma M1 Garand. Il n'y a pas de sous, ça y est. Oula, par contre, là, je vais prendre cher. Ouais, j'ai eu un shoot lamentable. Quoi? Et il m'a tué comment lui? Ah putain de missile de merde. Il est pas mort là? C'est où là lui? Oh merde! Non, celui que j'ai flashé, je crois qu'il était dans le trou là de la... Ouf, oh, c'est une chose ça! Ça se passe plutôt bien, non? Oh, ça se passe bien, niveau shoot, vous trouvez pas? Un peu malaisant, hein. Un peu malaisant. En plus, il y a un mec là qui est. Aïe 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 aïe. Je rigolais, mec. Attends, lui. Aïe aïe, tu penses je le tue ou quoi? Aïe! Non! Tu dégues! Ah putain, c'était un petit duel ça. J'aurais bien voulu l'éclater. Ah, j'essaie d'assurer mes balles, mais. C'est pas très réussi en ce moment. Aïe! Eh, je sais pas où ils sont, je vois rien. Allez, c'est bon, ça c'est fait. Eh, on va quand même jouer les objectifs, attends. Ah, la grue. Mitrage ennemi, Taras. Putain. Oh, les explosions par contre dans cette map, mon pote. Ah ouais, c'est une dinguerie. Je fais du combien là? 8-8. Oh, dégueulasse. C'est bien beau de s'appliquer, mais il faut tuer un moment. Aïe. Dommage. Allez, il est en bas, lui. Il y a des mecs assis là. Lui, il est mort. Encore un mec là, attention. Putain, il y a un mec dans mon équipe, il est chaud.
J'ai un mec dans mon équipe. Ouah, il était où lui? Contester, comment ça te contester? Ouah, ce que je lui ai mis à lui. Dommage que je suis mort de juste derrière. Vas-y, on va lui mettre des Molotov en pleine gueule à ses enculés. Eh ouais poto, Molotov. Toi tu meurs. Non, j'ai fail. J'ai fail, c'est de ma faute. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Allez, headshot. Aïe 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 aïe. On termine ça. Bon, 15-12 à la première. La première période, c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. Mais bon, 15 kills, je peux faire une partie à 30 kills, c'est quand même agréable. L'arbre est pas facile à jouer, franchement, il est pas facile. La première balle, elle passe bien, mais je trouve que le temps que la deuxième elle sorte, bah, malheureusement, c'est un petit peu long. Et du coup, quand je me prends des balles, bah, j'ai un recul. Et derrière, c'est très très difficile d'ajuster la deuxième balle. Mais sinon, très très bonne. Hein. M1 Garand, franchement, de toute façon, je suis pas là pour vous présenter des armes. Parce que voilà, le jeu est sorti depuis longtemps. Je suis juste là pour présenter. Pour présenter, mais non, je suis pas là pour présenter. Pourquoi je dis pour présenter? Je suis juste là pour faire une petite partie sur World War 2. J'ai juste voulu prendre une arme. Si vous l'utilisez plus ou si vous l'avez jamais utilisé, bah ça fait sympa de la revoir. Parce que là, M1 Garand indépendante, elle est pas dégueulasse. C'est quoi ça? Ah ouais, je regarde s'il joue à les réquisitions. Non, il joue à Forager. Ça va, j'ai rien à te dire, mon pote. Forager, c'est bien parce que les mecs qui jouent en réquis, j'en peux plus. Aïe. Je vois rien. Where is vision s'il vous plaît. Putain, je vois rien. Eh ouais, c'est quoi ça? Réquisition, tiens, on en parlait. Les deuxièmes manches, c'est souvent une catastrophe. Hein. Parce que la réquisition qui dit bonjour, du coup, c'est une horreur. Ah bah là, les gars. Les deuxièmes manches, à cause de réquisition, c'est souvent un enfer. Je préfère vous prévenir que ça risque de faire que boum 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 toute la fin de partie. Ah bah c'est une horreur. Regardez ça. Je vois quasiment rien. Oh ouais, c'est chaud. Eh lui, t'as vu comment il est derrière son putain de top avec sa batte? Oh le chacal. C'est vraiment des putes, hein. Je pense qu'il va apparaître là. Ça c'est bon. Allez, venez mes poules. Ah, derrière. Plus j'ai entendu mitraillage aérien, les gars. Vous pensez que c'est quoi? Tir réquisition? Bah bien sûr. Aïe 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 aïe. Attends, je vais dans sa queue. Aïe. Je suis mort. Ah, c'était sûr. Putain, il m'emmerde avec la réquisition. Ah ouais, mais lui avec sa batteuse, mon pote, c'est un truc de ouf. Il va me pourrir la fin de partie, hein. Il campe encore avec sa batteuse, les gars, derrière. Attendez, je vais m'en occuper. Lui, il m'énerve de camp. Ah, les taras. Ah, il était encore là, lui. Oh putain. Eh, il est tout le temps derrière avec sa batteuse. Hein. Tout le temps. C'est son endroit. Putain, vous avez vu, je lui mets la première balle. Vous avez vu qu'il me tire dessus. Bah, après. Je m'envole complet, quoi. Je m'envole complet. Bah, ma deuxième manche, ça va être moins belle que la première, c'est dommage, mais après les réquisitions, ça gâche un peu tout. Ah, c'est la galère. Je fais des assists. Ah putain, laisse-moi tranquille, j'étais en train d'ajuster ton pote. Oh, aïe, 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 aïe. Quoi? Mais il est où lui? Oh putain, laissez-moi tranquille, bordel! Attends, y'a un mec dans le coin là. Attends, là je suis plombé là. Je comprends pas, il me dit j'ai un ennemi là. Mais crève, bordel! C'est quoi, c'est un mec ça ou quoi là? Ah non, mais là c'est pas possible, arrête!
Il me disait qu'il y avait des ennemis partout. Je comprends pas. Ah, t'as ça. Eh, il est pas mort lui avec. Eh, je jette des motos dans sa gueule, il meurt jamais le type. T'as ça. Allez, Taraz! Aïe 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 aïe! Cassez-vous! Bah ouais! Mais cassez-vous! Merde! Lui il est venu devant moi, j'aime pas se le tuer. Oh, lui il va arriver! Allez, Taraz! Ah ouais, mais là. Eh, il est long aussi un peu à recharger la magarre, non? Oh! Wouah! Réquisition, n'achève-toi! Putain, lui c'est un truc d'ouf, il fait que tu as ça. Là ce qu'il faut faire quand il y a ça, tu laisses passer la kill cam. A tous les coups, à tous les... Au pire des cas, le mec il tue deux fois toi. Regarde. Allez, toi tu crèves. Toi tu crèves. Normalement à tous les coups, le mec il tue deux fois. Grand max toi. Et t'en pars plus. Ta gueule. Ta gueule. Ah mais la petite camp ici là mon gars, elle est violente. Elle est violente. Elle est violente. Mais ouais elle est violente. Petit colis de fin de partie, vas-y, let's go. Par contre ouais. Ah ouais là, il y avait du peoples. Ils vont vouloir me piquer mon colis les gars, c'est la fin de partie, c'est des charognes. C'est des charognes même en fin de partie tu sais. Ouais, t'es content. Ah non, il a pas eu. Bon, on a gagné. Eh, est-ce que j'ai réussi à faire 30 kills? Si j'ai réussi à faire 30 kills, c'est là que j'ai fait plus de 15 kills en deuxième période. Eh ouais, 38. Bah franchement, ça va. Ça aurait pu être beaucoup plus dur. J'ai dit 35, je suis mort 32 fois. Mais bon, c'était à la M1 garant, c'est sur cette map, c'est pas évident. Mais j'ai pris du plaisir. Franchement, j'ai pris du plaisir. En tout cas, j'espère que cette game vous aura plu. C'était une petite game sympatoche. Ouais, c'était sympatoche. Moi, j'ai bien aimé. En tout cas, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, j'espère, sur World War 2 quand même, parce que ce serait cool de pouvoir enchaîner quelques parties avec des armes un peu, je verrai, il y aura des thèmes d'armes en tout cas, je vais pas lancer une partie pour faire une partie, il y aura une thématique d'armes, et n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire les armes que, bah, déjà, si vous jouez toujours à World War 2, et si oui, si la M1 Garand fait partie toujours des armes que vous utilisez régulièrement, ou de temps en temps, occasionnellement, dites-moi ça dans l'espace commentaire. En tout cas, je vous laisse avec ça, et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. C'était votre pote Gengis. Portez-vous bien tout le monde. À la prochaine. Bye tout le monde. We're on an easy street. And it feels so sweet. Cause the world is but a treat.